Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnotic Marc, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois sur This is the Police. Sur la version 1.05, ça donne absolument rien, je vous dis ça, je sais même pas pourquoi je vous le dis. On va continuer là où on était rendu au jour 17, le 31 juillet, jour de fête les amis. Désolé s'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, mais vous le savez, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, d'où l'important de me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai débuté mon stage et je n'avais pas pu tourner les vidéos à l'avance. Cette fois-ci, je tourne toutes mes vidéos la même journée et vous en aurez en principe toute la semaine. Donc j'espère que ça va fonctionner et vous plaire. Le salaire des habitants a diminué de 9% depuis l'année dernière. Un ancien employé de la ville reconnaît que les données officielles du chômage sont loin de la réalité. Le chômage à Fribourg atteint le taux le plus bas de l'histoire. Il va falloir se penser à changer cette voiture un jour. Un jour. Alors, je suis trop fatigué. J'arrive à peine à marcher. Je peux rentrer à la maison. Ouais, si vous voulez. Mes chiens ont bu du lait périmé. Ils ont eu la diarrhée toute la nuit. Maintenant, ils vont mieux. Mais j'espère passer un peu de temps. Je peux prendre ma journée. Oui, mais revenez demain. Voilà. On choisit pas de chanson pour éviter les problèmes de droit d'auteur et on recommence un petit peu dans le bain directement dans une partie de la ville, les amis. Embaucher des femmes flics, je vous rappelle, c'est toujours notre résultat. Le délai est fixé à demain, mais je crois pas qu'on peut l'atteindre. Pourquoi? Parce que, ouais, on n'a pas assez de. On n'a pas assez d'éléments. Alors, yep. La femme âgée Emma Watson s'est plainte de ses voisins, son magasin, sa maison vibre sous les grincements, donc d'accord, donc du tapage entre guillemets. Ce côté des enquêtes, vous voyez que ça continue, on a 3-4 de chaque côté, mais on n'est pas capable de les résoudre jusqu'à maintenant. La mairie semble assez nous aimer, malgré que ce soit pas, que ce soit peut-être pas nos meilleurs amis, elle semble nous aimer, donc on va continuer de le... d'essayer au maximum de les poursuivre. Asile, les patients à l'asile se sont rebellés contre les infirmiers au petit déjeuner. 3 ont été blessés tandis que les autres sont encore emprisonnés à la salle à manger avec des patients. Ces derniers menacent de tuer un otage. Oh putain. Oh putain. Oh ouais, là. Là, on envoie la cavalerie lourde. Je sais qu'on n'aura pas beaucoup d'agents, mais c'est quand même. Le but, c'est de réussir de grosses opérations comme ça. Je sais pas. Parce que ça nous donne pas nécessairement de l'argent faire ça, mais j'imagine dans l'histoire, ça a un lien. Alors, piège du crime, quartier de la Syrie. Il se passe quelque chose de suspect près de la forêt. Ouais, c'est quoi ça? Rapport trouble à l'ordre public. Ouais, je crois que c'est ces gens là, c'est tout simplement au piège. C'est vrai, on n'était pas supposé, on était. C'est le mec là, on voulait le tuer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pourrais envoyer lui, tu vois. Et voilà, on a arrêté tous les trucs. Mais ouais, on peut. De toute façon, il faut engager des personnes. Donc si jamais il meurt au combat. Pas la fin du monde. Faut engager des femmes de toute façon, donc voilà quoi. Ouais, je crois que ça fonctionnera pas malheureusement. Vu que le temps, je crois toujours c'est accepter le temps, mais je sais pas en faire. Mise en danger par négligence. Une mise en danger par une femme effrayée a appelé pour signaler que deux hommes vêtus d'armure couraient dans les rues en l'intention de nous piquant. Ils poursuivent les passants en brandissant leur épée. Bon, c'est pas très très grave comme événement, mais on va quand même envoyer des troupes là. Piège du crime, agent mort. Ouais, c'est ça, deux agents qui sont morts. Donc en principe, RIP, RIP, mais je m'en fous un petit peu. Alors, je suis tellement méchant, les enfants et... Donc c'est vraiment un piège, je voulais tuer le mec là. Ouais, qui ne servait à rien. Bon finalement, on ne pourra pas le tuer, mais ça va aller bien. Alors campagne, Monsieur Sanderson a bien mis, il prévient de faire... Mais le propriétaire vient d'appeler, on avait du mal à comprendre ce qu'il me parle. On est en train de tabasser les chevaux. Quoi? Il tabasse? Ouais, j'envoie quelqu'un, c'est sûr là. D'accord, donc ici tout est ok. Parfait. Vous pouvez revenir au poste, messieurs, dames. La mafia, face faire un vol, les détectives, la mafia, c'est un rapport de crime, ça, et tous les agents, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait pris là, 1000 $.
Mais pour le moment, vu qu'ils sont morts, je crois qu'on peut pas les remplacer immédiatement. Je crois, du moins. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pas dû tuer celui-là qui avait 2 étoiles déjà. Ouais, c'est peut-être mal joué là-dessus. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour s'amuser, on est là pour se détendre. Ah, il pleut. Il pleut, les amis. Nuisance sonore. Kim, les assurés, des personnes suspectes font des allées et venues dans un parpaing, transportent des gros sacs et tous ces bruits. Ouais, de toute façon, on a de la place. On va envoyer des gens, de toute façon, on a de la place. Robinski est revenu, donc ça a sans doute aidé ça, notre cher chef de la mafia. J'ai peur du tonnerre. Alors, enquête au port. Une foule d'hommes de Varga a attaqué un camion appartenant à une de nos entreprises. On doit absolument être 3. Ah ouais, malheureusement, j'ai juste 2, hein. Ça avait fonctionné tout à l'heure, donc en principe, si je les envoie avant la fin du temps, ça fonctionne également. Ouvrir l'enquête. Vous avez 3 nouveaux cadres. Alors, ça. Non, c'est clairement du spray là. L'inscription a été laissée. Roger est un lâche sexiste à côté d'un grand symbole du mouvement féministe. À moins que ce soit ça. Ah, c'est bien ce que je croyais. Je n'ai rien vu ni entendu, mais quand j'ai fait le tour, j'ai vu quelqu'un écrire un message sur le mur. Je vois monsieur, je me dis que c'était vraiment, c'est juste vandalisme ignoble. C'est un vandalisme ignoble, tout le quartier rempli de jeunes. Avec des bombes de peinture vidéo capturées par la nuit, l'agresseur était grand, portait des vêtements amples et cachait ses yeux sous un pôle, possible d'identifier. Et on voit où elle. Grand pinceau le dépassant. Ouais, mais je suis pas mal sûr que c'est une bombe de peinture qui a fait ça là. À moins que c'est ça? Ah oui, c'est ça. Un coup d'eau. Eh bien, coup d'eau. On va attendre que des agents arrivent. Bon, on a pour débuter ça. Envoyer 3 personnes. Voilà, c'est fait. Ensuite ça. On va envoyer 2 agents. C'est parti. Pour arrêter, on aura une enquête terminée. Donc c'est là qu'on me disait, Hypnotic Park, fais attention, lis bien ce qui est écrit. Et merci de m'avoir donné ce conseil parce que vous voyez que là, sinon on n'aurait pas réussi. Vous voyez que là, c'est terminé ça. Ça veut dire que bah, ce sont les 2 dernières journées. On voit qu'on dépasse pas mal notre niveau d'heure. Il est 3 h du matin et on est encore au boulot. Vandalisme. Voilà, vous avez arrêté tous les suspects et pas trop le choix de finir la journée. Alors, scène mène à 10-2 face à Varga. Ça, c'est parfait. Chacun de nos employés reçoit un salaire hebdomadaire, ceux qui sont en vie tout au moins. Mais si vous enterrez la paperasse, vous pouvez toucher les salaires de vos agents décédés tant qu'ils sont en vie sur le papier. Les mairies continuent d'imprimer des chèques bien vivants. Retarder la paperasse. Donc on a gardé la paperasse, on va voir ce qui va se passer. L'ancien membre de la mafia déplore la corruption, médecin en chef. Le maire décline les services d'un porte-parole, je parle en mon propre nom. Non. Tu prends pas ta journée pour ça, merde. Louise Willis s'est avéré un membre du gang nommé le touriste. Il pourrait vous aider à accepter ce que vous faites de lui, elle indique. Ouais, pas de problème.
Pas de problème, pas de problème. Donc embaucher des femmes flics, je sais bien, Jack, ouais, échec, blablabla. Cependant, on a de la place pour un nouvel agent. On va voir c'est pour la service A. Voilà, bonjour. 200 abris sont rentrés, d'accord. Ne vous inquiétez pas, madame, on va vous envoyer pas mal d'hommes d'ailleurs. Mais c'est pas la fin du monde. On peut continuer de toucher leur salaire, c'est cool ça. Bah c'est cool. Oui, non, là. L'enquête a commencé. Parfait. On lui dira plus tard, l'enquête vient tout juste de commencer. Ça, on pourrait vraiment en acheter une pour tuer le policier qui me fait chier un peu là. Demain à 10h. Parfait. Donc là, il faut se rappeler de ne pas envoyer le mec. Bonjour. Suite à l'incident avec les chevaux, on a sacrément transféré l'identité de monsieur dans un hôtel du coin et on a installé un garde devant sa porte. Soudain, on a entendu des cris venant de sa chambre et on a vu de l'eau sortir de la salle de bain. On a renforcé la porte, mais la présence de la police ne serait pas trop. Ouais. Je vous envoie ça maintenant. Rapport pour le viol. Tous les délinquants ont été arrêtés, donc ça, c'est parfait. Viol ou vol? J'ai lu assez rapidement, là, je sais plus trop ce que j'ai lu en fait. D'accord, des camionneurs se sont battus. Jusqu'à maintenant, on permet à Monsieur Sun, hôpital Saint-John. Tous les analgésiques ont disparu. Ouais, malheureusement, j'ai pas. On va quand même mettre un sur les lieux. Voilà, c'était le retour de son travail. Voilà, tout le monde a été arrêté à cet endroit, donc ça c'est parfait. Qui est-ce qu'on a? On pourrait envoyer eux là s'entraîner. Voilà, lui il est parti s'entraîner. Ça fera pas de mal. L'enquête a commencé pour le vol. Parfait. Jack, toute mon équipe de la boutique de donuts a la grippe et je n'ai trouvé personne pour m'aider. Pouvez-vous m'aider en m'envoyant quelques-uns? Je suis sûr que ça ne les dérange pas de faire frire quelques donuts. C'est facile, je vais leur montrer ce qu'ils doivent faire. Ouais, pas de problème. Je sais qu'ils vont disparaître pour la journée entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus être réutilisés. On va le savoir dans quelques instants, mais si je me trompe. Ouais, exactement. Je crois qu'ils ne peuvent plus être. Je vous dis, chef, restez au-dessus de cette friteuse, c'est l'enfer, je préfère. Ah non, ils vont revenir. Je crois pas qu'ils allaient revenir. Il nous faut des renforts, des punks qui ont essayé de faire capoter une de nos parties de poker, on ne va pas les laisser s'enfuir avec l'argent. On va envoyer des agents, c'est pas plus compliqué que ça. Cinéma lors d'une projection de Max Lonette 3, un employé du cinéma avait des clients, avait retiré son pantalon, un client voilà, m'a menacé de trancher à gauche de tous les spectateurs dans la salle. Ah ouais! Ah ouais, clairement. Ouais, on voyait quand même des unités assez bonnes sur le coup. Les magasins ils sont fermés à cette heure. C'est ce qu'on m'avait informé sur le petit truc qui arrivait là.
Les semaines n'étaient pas trop remplies, les films en pleine diffusion. Après, je suis lentement de l'homme. Voilà, le délinquant a été arrêté. Bastien est rendu à 1000 quand même. Banlieue est verdalisme. Allez, on envoie des agents. Ah, on a des rapports ici. Les trois nouveaux cadres. Bon, alors. J'ai fait ma ronde toutes les heures, l'alarme est désactivée car la mairie refuse de payer les réparations. C'est un grand musée, je n'ai pas entendu la vitre se briser lorsque je suis revenu ici, c'était déjà le petit jour. La fenêtre était brisée et la toile avait été découpée. La toile avait été découpée. Ça, c'est pas mal. Non? Bah, je me disais que c'était peut-être ça. Non, c'est pas ça. Le parking est resté vide un matin. Ce qui s'est passé avec un tube de dessin abandonné, le gars en homme, puis son vélo, avant de disparaître, il a ensuite revenu, enfourché son vélo, il est parti. Je me souviens d'un souvenir, il m'arrive souvent de me balader. J'ai pris un tube de dessin, l'autre accessoire. Dans ses conférences, il critique toujours le moyen dans les heures de vent, il est très. La verre est presque complètement brisée, un adulte peut facilement se hisser par la fenêtre sans se blesser. La plupart des escalators sont disposés sur le trottoir devant le musée. Ouais, moi je crois que ça va aller là et qu'il va y avoir quelque chose d'autre. Du moins à mon point de vue. Alors, l'enlèvement. Tous les détectives sont morts! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, c'est pareil hein, ça. Bon, ce sera pas assez de toute façon. Ah ouais, j'ai perdu un détective quand même là. Pas cool ça. En même temps, je vais avoir une place pour un détective là. Ouais, y en a pas vraiment qui valent la peine là. C'est la fin de la journée, ça nous mène 12 à 3. Face au clan de Varga. Non, on va avoir besoin de. On a pas assez de trucs donc on va là. La laisse, jour 19. Rospierre, je suis plutôt riche. Les frais de scolarité de l'université. Le maire appelle le bureau du procureur pour vérifier les déclarations de Rospierre sur l'extrémisme. Je suis trop fatigué. Non. Félicien, on va d'abord se passer si je peux prendre un peu de temps. Ouh, il n'y a pas de problème. Accéder à la carte. Et on va pouvoir engager un nouveau flic, tout simplement. Embaucher des flics asiatiques. Comme nom d'affaires, donc il doit rester dans le barcra. Assurez-vous, au moins trois policières. Trois policières asiatiques. Service B, tiens. La cathédrale. Il y a des hommes. Donc on a assez de l'argent, mais pas beaucoup d'ailleurs. C'est assez drôle ça. Donc on a pas de gang maintenant parce qu'elle est morte. En enquêtant sur la gang, justement, sur le clan. À 10 h, on va pouvoir envoyer Percy. On va le pec ce mec-là. Voilà, tout le monde a été libre. Allez, toi. Va te faire tuer. Va te faire tuer. Allez, c'est parti, on va envoyer un agent. Chef Lia,
Il y a un gars en alliant qui essaie d'entrer dans le commissariat et prétend être moine tibétain, des apparitions et de la violence. On le laisse entrer? Ouais, pourquoi pas. Je vois pas ce qu'il pourrait faire de mal de toute façon. Oh, si tu plates, il est mort. Notre but c'est toujours de supporter Varga, je vous rappelle. C'est toujours de supporter Sen, le clan de Sen. Il y aura une agression en cours, on va envoyer trois agents. Parce que maintenant, on n'a pas eu besoin de déployer le SWAT ni le panier à salade pour récupérer plusieurs fugitifs. Et ça fait un petit bout de temps là qu'on n'a pas eu de cinématique ni rien. Et ce sera certainement pas là cet épisode parce qu'on a déjà une vingtaine de minutes. La femme âgée s'est battue, d'accord. C'est une fausse alerte pour l'agression. Une femme qui pesait sur le pont a vu deux voyous attraper un gars maigrichon par les jambes et le suspendre au-dessus. Ah non, mais là, clairement pas. Là. Ah, c'est trois policiers là que je vais envoyer. Que ce soit de l'intimidation ou quoi que ce soit, je n'accepte pas ça. C'est arrivé sur les ponts. Voilà, les personnes ont été. Parfait, ça, les personnes ont été arrêtées. Voilà, ça c'est bien. Bon, mais les amis, c'est la fin de la journée. Scène qui mène 14 à 5 pour Varga. On va s'arrêter ici, j'espère que vous aurez apprécié, déclaré mort officiellement. Ouais. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour le jour 20, qui est un 3 août. Allez, ciao ciao!